Et hey, Momo, t'as pas oublié quelque chose? Ah non, je sais pas quoi. Ah, nickel. Je vais faire un petit démo. Tu sens les vibrations quand même. C'est très bien. Mais par rapport aux écouteurs classiques, le problème c'est que là, si tu veux te couper du monde, tu peux pas en fait. Non, non. T'es obligé d'écouter. C'est ça qui est chiant. 10 km de tour, Lolo. Y'a que des connards là-bas, y'a que des connards. Ouais, c'est sympa hein, ce qu'ils ont fait, Lolo. Lolo test. Finalement, à la place de les enlever, t'as fait quoi? À la place de les enlever, ouais, on est venu les tester sur, sur une piste un peu plus dure. Parce qu'on a dit au vendeur que c'était pas top. On a dit ça renvoyait pas assez. Il nous a dit c'est le tapis. On a voulu savoir par nous-mêmes. Donc on est venu ici. Là, si ça renvoie pas, par contre, tu n'auras pas d'excuses. Si ça renvoie pas, ça renvoie pas. Mais si ça renvoie pas, c'est quoi? C'est pas le slim? C'est pas le slim serré qui renvoie pas, c'est les, la carbone. Non, c'est les plaques, c'est. Vous mettez trop de mousse sur vos trucs, quoi. On n'est pas là pour faire la sieste. Allez, c'est parti. Fais nous rêver. T'es dans le sens inverse. Si je fais un virage, je sens que dedans je suis pas stable. Ouais, ok. Tu vois, donc moi je prends pas ça. Bon, après, ça c'est un virage maxi serré. Oui, oui, oui. Mais moi je prends pas moi ça. Ouais. Moi j'aime pas moi. Ok. Désolé, hein. C'est mon ressenti, quoi. On parle toujours de sensations là, pour une fois j'écoute. Allez, merci. Ciao. Oh là 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 là. Quoi? Ah, faut la place. Ah, moi aussi. Lucas, tu nous fais une petite présentation de ce qui nous attend là? C'est pour le super vlog. Finale des playoffs, Chaumont mène 2-0, s'il gagne ce match, on est en demi-finale. C'est quart des playoffs. Ah, c'est quart de finale seulement! Il est de Chaumont, il va être content lui. On fait tester ça. Il y a ta goût neutre ou à la pomme. Et moi, ils m'ont fait tester les deux. Ça, bon, bah, je connais. J'en prends tout le temps. Ça, j'en connais. Après, je connais pas les goûts. Donc, ça, c'est cool. Et c'est ça qu'ils mettent. T'as des électrolytes. Et là, je sais pas ce que c'est parce que. Je croyais que c'était des électrolytes les deux. Après, t'as les barres. Je vais manger tout de suite. Et une autre barre. Allez, nous voici. Du coup, après 13h30. Donc les préparatifs sont terminés pour demain. J'ai fait tout dans un ordre chronologique, hein, comme ça c'est super. Dans cette gourde, j'ai mis 3 œufs. Là c'est du muesli, on n'a pas de muesli. Protéines végétales en poudre. Ça, je me lève à 4h50, je me réveille. Je bois ça en 10 minutes. Comme ça je peux me redormir à 5h. Je peux redormir 1h. À 6h réveil. À 6h30, il faut qu'on soit parti. Et pendant le trajet, je vais boire ça. Donc là, il y a des électrolytes là-dedans. Je pense que c'est une star du Japon. Ensuite, il y a la tenue. Ça,
c'est pas pour faire des... c'est pas pour faire des yeux sur le débardeur. C'est parce que j'ai peur d'avoir un petit peu mal au TT. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La petite montre. Ça, c'est indispensable pour connaître l'allure. Pour pas partir trop vite. Pour garder l'allure. 3,57. Tout long. Les gels. Quand est-ce que je les prends, les gels? Ah oui. 40 minutes, 1h, 1h20, 2h. C'est pas du tout ça, les horaires des gels. Faut qu'on revoie les horaires des gels. Ah non. C'est 45 minutes. On verra après. Momo ? Ouais. On verra après. Donc on la joue tactique sur les gels, mais. Oui, voilà, ça va te faire stresser. Sans prendre que 4, mais voilà. Le short, il est en vert, celui-là. Les chaussures, toujours les mêmes. Celles-là, elles servent que pour la course. Et ça, c'est le matériel du Pacer. Alors maintenant. C'est moi qui ai fait le Pacer. Ah oui. Ouais, mais en même temps, je vais vous faire la petite découverte du matos quand même. Donc il va avoir son super gelé, dans lequel il va mettre. Ça, c'est la boisson au cas où. Ça, c'est si vraiment j'ai besoin, kilomètre 30, le Pacer il va tout envoyer. Pareil, un gel en plus si jamais. Ensuite, il a la GoPro, le téléphone que vous voyez. Son petit kawaii, le petit doudou, faut pas qu'il ait froid. Hein, mon loulou. Ah oui. Parce que toi, t'as pas l'habitude de courir aussi lentement, donc tu vas pas te réchauffer quoi. À 3,57, il se réchauffera pas le petit loulou. Voilà, tout est prêt pour demain. On se lève, ensuite on part comme ça. Puis on envoie. Hein. C'est quoi ton prono, Lolo, toi? Le prono pour un mec qui sait pas quand est-ce qu'il doit prendre ses gels. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est chiant, ça. Non, en vrai, je vais faire le premier à 45 et après toutes les 30 minutes. Ouais. 45, 1h15, 1h45, 2h15. Après, la dernière demi-heure va être longue, mais... Après, au cas où, on a un système. Ouais, tu peux m'en donner un à 2h30 au cas où. Ouais, c'est possible. Ouais. On verra. Ton prono, t'as pas de prono? Tu suis le coach? Ouais, je suis le coach. Coach, il a dit 2h47, 52 secondes. J'ai pas de pression. Bon, ça me met pas la pression. Et c'est la première fois que je suis à l'heure dans le RER, le jour d'une course officielle. Il est 6h30 et on est à l'heure avec Lolo. C'est grâce à toi, Lolo. C'est toi qui as mis le réveil. Non, c'est pas vrai. T'as mis un réveil ou pas, toi? Oui, j'en ai mis 3. Ah, ok. T'en as mis 3. Il me fait plus du tout confiance. Du coup, c'est la première fois et nouvelle de dernière minute. Hier, j'ai signé à l'ASB Châtillon, 91. Signature de dernière minute dans un club d'athlétisme. J'avais juré de ne jamais signer avec la FFA. Finalement, j'ai repoussé mes manches, enfin, c'est pas ça qu'on dit. J'ai retourné ma veste et voilà, j'ai accepté une signature pour que ma performance d'aujourd'hui, espérons que ce soit une performance. Si je suis à comptabiliser, voilà, parce que je ne peux pas faire le record de France en fait. Bah, si je suis pas dans un club d'athlète, ce sera record perso seulement quoi. Et comme je vise 2h02, bah ce serait bien que mon record de France soit homologué. Ouais non, mais par contre j'ai vraiment signé à la FFA. Qu'est-ce qu'il manque? Le t-shirt du club. Le t-shirt du club. Oui, il va m'amener ce matin sur la ligne de départ. Débardeur blanc, ça va. Non, débardeur blanc, c'est Décathlon, c'est la bif. C'est là 4€. C'est vraiment un bon investissement. Et en plus avec des cache-tétons comme ça, je pense que tu peux rien mettre dessus. Non, c'est super. Merci monsieur Legrand. C'est un plaisir que je porterai haut les couleurs du club. Ça a été un super moment et je penserai à vous tout le long de la course. Kiki Lolo, petite ligne droite devant l'Opéra Garnier. C'est parti mon Lolo. On y va? Ah on y va tous les deux, mais vas-y toi d'abord. Allez go, c'est parti. Quel athlète. À un moment il est dans le rétro. Mon champion. Tu vois ce beau paysage là, regarde ça. C'est Paris ça. C'est Paris ça. Bon, regarde, filme ça. Notre échauffement va se constituer de 1,4 km de footing. On se rend à rue de la Boétie et ensuite on va tranquillement se diriger jusqu'au sas de départ qui se trouve non très loin. Bon. Ça sent le départ vraiment hein. Bah, une demi-heure mais oui, ça, on s'en rapproche. Là c'est le moment où on rigole plus tôt. Il y a de l'arche et tout, il y a du monde. Il y a un petit peu de stress, mais on le sent quand même en maîtrise. Sur les 3-4 marches du métro, il m'a mis 2-3 mètres, donc c'est vrai. C'était la panique, ça, de le rater. Ouais, ouais. Il se rate bien, il a son bidon. Ouais. Je vois pas autant que je voudrais, mais j'ai un peu les sauts à nous. Nier. Ah, il y a les Pacers avec les électriques. Ah ouais, le Pacer, putain, ils sont là depuis quelle heure? 7h, je pense. Hein. Merci les Pacers, hein, mais bon... Ah si, eux ils seront avec eux par contre. Bah ouais, mais il n'y en a pas en 45. En 50, il y en a qu'en 3-0.
Pour le moment, on vous reprend plus tard. On va laisser le champion se préparer. Ouais, salut la team. Allez, je m'improvise un peu youtubeur. Bon, au final, on verra pas de Momo sur le départ, c'est un peu compliqué. Par contre, je me tape un petit kiff là. Le départ, c'est à la grosse ligne droite. C'est énorme. Alors, on voit l'arche au bout. Allez, un petit kiff. Bon, Momo, merde à toi. Kiff bien et on sera là pour te ramasser à la petite lumière. Où on donne rendez-vous au 10ème kilomètre avec Lucas. Où Momo, donc on a prévu sur le plan, Lucas lui a donné un petit peu les consignes. C'est une 24 au semi, ça fait passer en 39-20, 39-50 au premier 10 km. Donc voilà, on l'attend au 10 et puis on va regarder patiemment la montre. Voilà, mon Momo, j'ai jamais été aussi excité de te voir courir. Petit passage en pavé quand même. Avec l'inertie, ça se sent même pas. Il va y avoir un monde fou. J'espère qu'il va réussir à se placer un petit peu dans le début pour pas se faire piétiner. Et puis tout de suite partir aux bonnes allures. Bon, après, voilà, c'est du marathon. On a toujours le temps de se placer sur le premier kilomètre. Ça se passe pas quoi. Donc, ouais, c'est départ full, Champs-Élysées. Tout droit, voilà, Concorde. Donc, vraiment exceptionnel. Petit frisson là du départ, c'est bon ça. Ok, je reprends là, on est sur le bateau de la Concorde. On voit l'hélico au-dessus là qui fout, c'est bon. Donc là, nos premiers kilos, donc peut-être que je vais rester quand même, je pense, pour juste pour voir s'il a pris un bon départ. Après, je me speederai un petit peu pour le choper plus tard sur le 10, comme ça je ne me presse pas. Et puis on est déjà des petites nouvelles du truc quoi. Il n'y a pas grand monde, par contre on sent la pression là, rien que d'entendre l'hélico là, oh, c'est stylé. Voilà, ça y est, donc je suis au premier kilo, ça y est, c'est lancé, il y a tous les camions qui sont devant là, qui fait l'idée de prendre. Ça fait 2 minutes 46, donc ça va partir, ouais, ça passe en 2,49 au premier kilo, hein. Ça c'est costaud. Là on voit la voiture. Donc on voit bien 2,56, je suis à 100 mètres derrière le premier kilo, derrière le premier panneau, donc c'est costaud, c'est costaud. Ah, c'est dense devant, il y aura un peu de monde. Bon, est-ce qu'on va voir notre Momo national, ça va être compliqué à voir. C'est parti. Bon, forcément il sera pas là. Ah, c'est bien dense, il y a toutes les filles. Alors, normalement Momo lui on devrait le voir entre le sas de 50 et 3 heures, mais bon après c'est sur le sas préférentiel, donc on verra bien s'il arrive à rejoindre le sas préférentiel. Ah, ça va être chaud de le voir, franchement. Les infos en direct, ouais, ça c'est le sas 3h en face. Allez Momo! Allez Momo! Allez! Ouais! Ok, c'est parti, on part sur le 5ème kilo. Ok les gars, grosse galère. Le Momo au 5ème, il me dit bah, j'ai pas mes gels. Donc du coup, j'ai traversé tout le parcours. J'ai retrouvé au semi, on a réussi à s'y retrouver. Il avait l'air pas trop mal, il est dans le irrégulier, mais risque peut-être de le payer sur la fin. On verra bien, j'espère pas. Mais en tout cas, il a ses ravitaux. Tout est bon, là je rejoins la gousse. Il s'est synchronisé pour pouvoir le choper. Et... ok, il va pouvoir finir, il a 5 gels. Normalement, ça devrait le faire. Et puis voilà quoi. Bon les gars, j'ai retrouvé la gousse. Putain. Bon, un petit commentaire sur la gagelin du jour. Scandaleux. Mais je pense que c'est gagelin, mais c'est aussi le duo. Les deux ensemble, ça fait un mélange qui est catastrophique. Pourtant, hey, tout allait bien. Hein. On était à l'heure au départ, même un peu en avance. Et le reste, c'est mort. Attention, attention. On était en avance, c'est ça puait. Il y avait un truc qui allait pas. Ouais. C'est terrible. Là, il est en train d'exploser. Ouais, là, on était au semi, on lui a filé des gels, à mon avis. On va le retrouver dans 2 km et recrever. Aïe aïe. 3 mois d'entraînement. D'un entraînement des plus scientifiques. Analysé avec les plus grands de ce monde au niveau du coaching. Pour que mon bourricot, et je dis bien mon bourricot, parte sans prendre de gel. Cet homme est scandaleux. Donc là il est en hypo, hein. Bah normal du coup vu qu'il a rien bouffé. Donc il va faire un chrono pas ouf alors qu'il aurait suffi qu'il prenne ses gels dans sa poche. Et après il est gentil parce qu'il nous dit tu me les donnes au 5ème. Sauf que bon, faut qu'on court quand même à 16 km/h du coup pour arriver à lui donner les gels au 5ème. Donc il a eu les gels qu'au 20ème au semi-marathon. Donc voilà, il est en train d'exploser, c'est nickel.
Non, là. Allez mon loulou, allez, jusqu'au bout, allez. Allez maman, allez, faut plat descendant jusqu'en bas, là, allez. Et tu peux reprendre du temps là. Allez, tu prends un parrain. Allez, jusqu'au bout. En bas, il te reste 200 mètres. Vous avez 30 secondes. Allez, c'est bien. Allez. Ça va les poulets. T'es un peu fatigué toi? Ouais, je suis un peu voilà quoi. J'ai fait un super finish parce que je me suis reposé pendant 10 km. Et puis du coup voilà quoi. Voilà. Là, t'as fait une belle course, j'ai pris des provisions. Un petit peu le mur du 35ème, non? En fait, dès le 32, c'était dur. Et je voyais, j'étais en 4 minutes. Ouais, j'ai dit, allez, pas 4.05. Après, je suis en 4.05. Je suis bon, allez, 4.05, mais pas 4.10. Après, 4.10. Bon, ça commence à être tendu là. Après, 4.20. Bon. Et après 4.30, puis voilà. Et après j'étais là, puis on met un pied devant l'autre, quoi, c'est tout, quoi. Alors, j'aurais pu en prendre plus, hein. Je les ai tous pris, hein. Mais à partir du semi, quoi. À partir d'1h30, quoi. Ça, c'est aussi la faute de Lolo, en vrai. Non, c'est ta faute. Parce qu'en vrai, tu l'as dit, tu me retrouves au 5ème, mais c'est impossible d'aller plus vite que toi en transport en commun. Bah, je sais. Même à pied, hein. On sort sur les 10 derniers. Oui, donc il est bien parti sans gel. Tu veux l'afficher celle-là aussi? De quoi? AG Coaching, putain, j'avais même pas vu. Ouais, c'est beau. Oh, quel beau. Mais en fait, j'ai pas fait exprès parce que c'est mon adresse mail. J'ai mis mon adresse mail. Et bon, ils ont mis mon prénom. Mon Facebook, quoi. Ouais, voilà. Voilà. C'est la fin. Tu m'as dit, les gels au 5ème, je fais ça. Oh putain. Ça n'était pas rendu compte, le style. Puis du coup il s'est dit moi je vais aller au 25. Mou en souffrance. Yeah. Un peu à l'aise. Dans un rêve si tout déjà, toute la France est folle de moi. Je l'ai mis.